J'ai sans arrêt en fait des envies de spectacle, j'ai sans arrêt des espèces de bulles comme ça, des images, des projets qui apparaissent comme ça dans mon esprit. Et des fois ça se dépose, ça reste, ça s'ancre, et puis des fois non. Souvent non, la plupart du temps non. Et là en fait il restait. Donc ça reste, ça reste, ça reste. Et donc après j'en ai parlé autour de moi. Et j'ai greffé donc des gens sur le projet qui ont dit ah oui, c'est une bonne idée, j'aimerais bien travailler dessus. Donc petit à petit, en fait, ça s'est réalisé, c'est passé de la pensée en fait à la réalisation. Et du coup, je me suis dit bon, bah, là j'ai vraiment un embryon, il faut que j'aille le proposer et je peux pas rester avec ça. Donc, je l'ai proposé à Eric, qui a eu la même écoute et le même intérêt pour le spectacle que les gens avec qui j'en parlais. Donc j'ai assisté comme ça à la naissance de cette chose, un peu, comment dire, presque malgré moi en fait. Et puis en fait, après, toute la réalisation du projet a toujours suivi cette évidence, cette fluidité, cette simplicité. Comme si ce projet, en fait, était venu de lui-même, en fait. Il y a une légende de Maeterlinck qui dit on ne choisit pas de donner naissance à un enfant, en fait. C'est l'enfant qui choisit ses parents, en fait, qui choisit de venir sur Terre en choisissant ce couple-là, ou ce père, ou cette mère seule, ou j'en sais rien. Et ce projet, en fait, j'ai l'impression qu'il a suivi un peu ce cheminement. C'est à la fois une méditation, une contemplation, c'est un peu comme quand on regarde un tableau. Les acteurs sont arrivés au bout, quoi, en fait, hein. Ils ont plongé dans cet univers et ils se sont fondus dedans, oui, complètement. Parce que en fait, c'est un plateau qui parle beaucoup, en fait, à l'acteur. Il voit tout, en fait. Il est complètement dans la fiction, dans la vision, tout autant que le spectateur. Il est dans cette chose qui agit sur lui, quoi. Et la peinture agit vraiment sur lui. Ça déclenche en fait un peu la porte de l'intuition, en fait, et de l'imagination. Si vous le voulez bien, on ne peut pas forcer les gens à imaginer, on ne peut pas forcer les gens à comprendre que le silence fait partie de la vie, tout autant que la parole et l'action. J'avais vu Vanishing Point et je m'étais rendu compte qu'il était très fort en vidéo, en fait, en tout cas, voilà. Et en fait, c'était surtout pour la vidéo que je l'appelais. Mais en fait, lui, s'est pas occupé du tout de vidéo. Il s'est occupé du cadre, en fait. Voilà, je lui ai expliqué le cadre et il a pu le concrétiser, le réaliser magnifiquement. Et puis le dessin, c'est Stéphane Zimmerli, son associé. Ils travaillent toujours ensemble, tous les deux. Et puis je voulais travailler sur l'illusion d'optique aussi. Vous êtes arrivé ici, c'est ça qui vous a marqué, c'est que le plateau est tout petit. Bah, un petit peu comme un écran de cinéma, en fait, hein. Un écran de cinéma ou une télévision, c'est pas très grand. Mais des fois, vous regardez le film. Je sais pas, un western, un reportage sur l'Amazonie. Et tout d'un coup, ça vous paraît très grand. Parce qu'en fait, vous faites votre travail, en fait, de spectateur. C'est que vous vous transformez ce que vous voyez avec les informations qu'on vous donne. Les informations choisies. Pour vous faire voir le monde tel qu'il n'est pas. Et je voulais que l'acteur, en fait, pratiquement, ait l'air d'être peint, d'être. Il sort d'ailleurs du tableau, mais en fait, il y reste.
sont toujours dans le tableau, en fait. Bah, dans l'intérieur, en fait, si vous faites n'importe quelle photo, en fait, c'est toujours un tableau. Il n'y a jamais de... Il n'y aura pas de flou. Parce que c'est ça, en fait, c'est juste un tableau qui bouge. Parce que Metternich, lui, voulait... en fait, enlever la vie du plateau pour montrer, laisser apparaître la vraie vie, la vie intérieure, la vie de l'âme. Non, non, on n'arrête pas, ouais, c'est un petit peu comme une avalanche perpétuelle. Ouais. En ce moment, on prépare Arturo VIII, l'irrésistible ascension d'Arturo VIII. Alors, bienvenue hein, comme spectacle. Hein, c'est une parabole sur l'accession au pouvoir des fascistes en Allemagne. Ouais, voilà. Donc là, on a la même chose en France. C'est très bien. Je suis très content de pouvoir faire ça. Très content. Gros souvenir de théâtre. C'était très beau. J'étais à New York et j'ai été voir une comédie musicale qui se joue depuis très très longtemps, qui s'appelle The Fantastics, dans une toute petite salle. Et c'était très très beau parce que il y avait un acteur, très vieil acteur, et j'étais vraiment très ému par ça, quoi. En fait, par quelqu'un, en fait, qui, voilà, quelqu'un qui fait son métier dans l'oubli, en fait. Et le monsieur est très âgé. Et il sort de cette malle, comme ça. Et il joue un acteur qui a joué Shakespeare. Et il le joue de façon parodique. Et la salle est complètement hilare. Mais on voit que cet acteur, en fait, il jouerait Shakespeare magnifiquement. Et voilà, ça, c'était très émouvant pour moi, ça. On se rend pas compte, hein, mais philosophiquement, on n'a pas avancé depuis 50 ans, hein, je crois. On en est toujours au même point. C'est toujours les mêmes... je veux dire, la prise de conscience, elle à cause de la discussion, en fait, à cause du bavardage, on discute. Au lieu de raisonner, on discute. Ah, moi je pense ça, moi je pense ça. Ah, moi j'aime ça, ah, moi j'aime pas, ah, moi j'aime ça, ah, moi j'aime pas. Coup de blues, bah, Le Pen, bien sûr. Bah, pour Anna. J'évite. J'ai envie de dire pour les artistes, quoi. Les artistes qui continuent, malgré tout. Pour tous ceux qui s'accrochent, malgré toutes les galères qu'ils rencontrent. Pour moi, les choses... voilà, ni ne commencent, ni ne finissent. Et la chose que je ferai dans un an, deux ans, elle a déjà commencé. C'est logique. Faire un truc de avec la musique, ouais. J'aimerais bien. Chanter ou mettre en scène un concert. Ou... Oui. Et l'an prochain, je ferai normalement un petit grenier Baudelaire. J'ai déjà eu beaucoup de chance. Oh, avant très... j'étais très sanguin, ouais. Oh, et très impulsif, bagarreur même. Et... Non, plus maintenant, sinon je serais mort. Ouais. Non. Par contre, quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je lui dis, mais calmement. Je fais que des trucs comme ça. Avoir
Une semaine à la montagne. Ce serait un coup de théâtre.